Une fille de 11 ans chasse un intrus à l'aide d'un fusil de chasse. James Wasson et Stuart Ronda de Détroit dans le Michigan ne sont pas le type de gens que vous aimeriez voir rôder autour de votre maison. Alors imaginez pour une fille de 11 ans, seule, attendant ses parents. Selon un rapport du shérif de la contrée de Lapeer, pensant qu'il n'y avait personne dans la maison, les hétérodoxes décidèrent de s'introduire à l'intérieur. Mais la fillette, alertée, saisit un fusil de chasse. Son père lui avait appris à s'en servir, puis elle se cacha dans la salle de bain. C'est Wasson qui a eu la surprise de se retrouver face au canon de fusil en ouvrant la porte de la salle de bain. Les intrus effrayés ont pris la fuite à bord de leur voiture. Des agents de police de Himley ont 30 minutes plus tard appréhendé les deux suspects dans leur véhicule. Ils sont accusés de cambriolage, l'infraction d'invasion de domicile est très grave, mais ils restent tout de même libérables. Pour Wasson, il lui en coûtera 200 000 $ et pour Stuart seulement 100 000 $.